Le chaos hier à Lagos. Un avion de ligne s'est écrasé sur un immeuble dans un quartier populaire de la capitale économique du Nigeria. 153 personnes étaient à bord. Il n'y a aucun survivant. L'appareil a heurté de plein fouet un bâtiment avant de s'enflammer. Une dizaine de corps carbonisés ont été retirés des décombres de l'immeuble détruit. Impossible pour le moment de dresser un bilan précis de cette catastrophe. L'avion était un Boeing de la compagnie nigériane Dana. Il avait quitté Abuja, la capitale du pays, en direction du sud-ouest, avant de s'écraser à proximité de l'aéroport de Lagos, situé au nord de la ville. Des milliers de curieux ont partiellement bloqué les accès au site du crash, empêchant les équipes de secours d'arriver sur place. Des scènes de pillage ont été rapportées et l'armée a dû intervenir. On ne connaît pas pour le moment les causes de cette catastrophe. 3 jours de deuil national ont été décrétés.